Morning YouTube! On se retrouve aujourd'hui pour une recette de petit pain brioché que j'aime d'amour. Elle est vegan, sans huile et avec seulement 2 heures de pause. Avant de commencer, on va voir les ingrédients. Pour cette recette, vous avez besoin de 5 ingrédients principaux. Le premier, c'est la farine de kamut. Le kamut, c'est une variété de blé très ancienne qui a été préservée de toutes les modifications génétiques qu'a subi le blé moderne. De ce fait, elle est riche en protéines avec tous les acides aminés essentiels. Elle est riche en sélénium, en zinc, en magnésium. Il y a plein de nutriments. La farine est de type 150, ça veut dire qu'elle est intégrale. On a gardé toutes les fibres de la céréale. Mais malgré ça, vous verrez, vous aurez des petits pains super moelleux. Le deuxième ingrédient principal, c'est le lait végétal. Je fais le mien maison, c'est facile à faire, c'est meilleur. Je sais qu'il n'y a que des oléagineux et il est en général plus onctueux que celui qu'on trouve dans le commerce. Et c'est plus économique. Pour ce lait, j'ai utilisé un mélange de noix de cajou et d'amandes. Si vous voulez faire votre lait vous-même, je vous mets le lien en barre d'infos. J'ai un article sur le blog avec toutes les explications. C'est hyper simple. Le troisième ingrédient de cette recette, c'est la purée de coco. La purée de coco, c'est pas pareil que l'huile de coco. La purée, c'est le coco râpé qui a été réduit en purée. Alors que pour faire de l'huile, on extrait uniquement les lipides du coco. En fait, c'est comme si on compare la purée de sésame et l'huile de sésame. La purée de coco est donc plus proche du fruit que l'on trouve de la nature que l'huile de coco. Il est possible de faire sa purée de coco maison, je vous mets le lien avec l'article en barre d'infos. Mais je vous préviens que c'est un petit peu fastidieux et si vous voulez l'acheter, je vous mets le lien aussi directement sur le site de Nutro. On reste dans le coco avec notre quatrième ingrédient qui est du sucre de coco. Alors je l'ai choisi parce que son indice glycémique est bas, mais vous pouvez prendre du sucre rapadura, du sucre complet ou le sucre en grain comme vous voulez. Le dernier ingrédient, c'est bien évidemment les pépites de chocolat. Là c'est pareil, vous prenez les pépites de chocolat comme vous voulez, vegan ou pas. Ce que je fais en général, c'est que je fais mes pépites avec des tablettes de chocolat. C'est moins cher et en plus dans les tablettes de chocolat, il y a moins de cochonneries que dans les pépites spéciales pâtisserie. J'espère que vous avez tous vos ingrédients. Moi j'ai mon bol de robot, c'est parti, on va commencer, vous allez voir, c'est trop facile. Dans le bol de votre robot, versez 280 g de farine de kamut, 50 g de sucre de coco, 3 g de sel, un sachet de levure boulangère. Ajoutez ensuite 60 à 80 g de pépites de chocolat pour les plus gourmands. Et versez enfin 250 ml de votre lait végétal maison. Faites tourner au niveau 1 de votre robot pendant environ 5 minutes. Arrêtez le robot une fois les ingrédients bien mélangés et ajoutez 30 g de purée de coco liquide mais pas chaude. Faites tourner votre robot 5 minutes au niveau 1 pour bien incorporer la purée de coco. Laissez reposer une minute avant de repartir pour 5 minutes de pétrissage, mais cette fois au niveau 2. Formez alors une boule avec votre pâte. Elle sera peut-être légèrement collante, mais ce ne sera pas gênant. Laissez ensuite reposer dans un endroit chaud et sec pendant 2 heures ou jusqu'à ce que la pâte double de volume. Dégazez ensuite la pâte et faites 5 petits pains de taille égale en forme de boule par exemple. Couvrez-les pendant que vous préchauffez votre four à 180 degrés. Une fois le four chaud, vous pouvez mettre la dorure de votre choix sur vos petits pains. Moi, j'ai choisi du lait végétal avec de la vanille. Enfournez ensuite pendant environ 20 minutes. Je vous conseille de déguster vos petits pains le plus tôt possible, mais vous pouvez également choisir de les conserver dans un contenant hermétique en verre de préférence. N'hésitez pas ensuite à les réchauffer pour mieux en profiter. Recette vous a plu. L'avantage quand on fait des recettes pour YouTube, c'est que là j'ai pu dire à Flo, non mais la dernière tu peux pas le manger parce qu'il faut que je le garde pour la fin de la vidéo, tu comprends. Trop bien, trop bon. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci de votre soutien tous les jours. Si vous testez la recette, n'hésitez pas à me le dire sur Instagram, à me taguer ou alors à me le dire en commentaire de cette vidéo, ça me ferait trop plaisir. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les poser et faites un tour dans la barre d'infos parce que je réponds à plein de questions principales et je suis sûre que ça peut vous intéresser. À bientôt !
pour nous. C'est moelleux. J'adore. Non mais attends. Avant de partir, n'hésitez pas à regarder la dernière vidéo. Vous pouvez juste cliquer, ça s'affiche quelque part là. Regardez aussi dans la barre d'infos, j'ai listé toutes les informations pour la recette et il y a plein d'autres petits trucs qui peuvent vous intéresser. À dimanche prochain, 11h. Bye bye!